décrypter, informer, divertir. Now. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. On va retourner à nos affaires. D'accord. Je veux mon nez. À la quête du nez avec les deux dernières anecdotes sur Stéphane. Ah oui. Cynthia. Ouh là là. Pendant longtemps, Stéphane insultait ses collègues quand ils faisaient des soirées ensemble. Mais c'est bizarre comme question. Est-ce que tu les insultais méchamment ou au Québec ça veut dire quelque chose? Mais du coup, je vais dire oui par curiosité pour savoir pourquoi. Stéphane. C'est vrai. Ah! J'avais un petit problème d'alcool. En fait, c'est pas vrai. J'avais un problème. J'allais pas bien dans ma vie. J'étais un peu amer. Et là, quand je buvais, ben, je commençais à un peu parler contre les autres humoristes, mais je me rendais pas compte. Des fois, une anecdote qui me vient en tête, c'est je parlais contre une collègue. Et c'était pas très méchant. C'était quand même constructif. Mais tu sais, quand t'as bu, t'es un peu maladroit. C'est surtout ça. Parce que cette personne, je l'aime sincèrement. Je l'aime vraiment, mais je me suis mis à parler plus de son travail, mais d'une façon un peu négative. Et là, j'étais sous, donc ça a sorti comme maladroitement. Et là, la personne me dit, tu te souviens, je suis qui, moi? Je dis, ouais, ben, tu parles de ma copine. C'était son copain. Enfin, ouais. J'aimerais pas. Tu as eu des ennuis après? Oh, ouais, elle m'a écrit, ouais, j'ai su ce que tu penses de moi. Je dis, non, c'est pas ça. C'est l'alcool. Ouais, beaucoup. Mais j'ai combien de temps tu t'es calmé, Stéphane? 1 an et 3 mois, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Eh ben. Pour régler les problèmes d'amertume et de cette d'agressivité qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais t'as repris, je crois, parce que la pause, tu m'as traité d'enculé. Donc... Ouais. Non, mais ça, je le pense. Et je suis à Hortense Tanguy, pour sa première à Paris, sa première scène à Paris, Stéphane a fait un énorme bide. Alors, si je me souviens bien, je crois que tu nous en avais parlé dans l'émission l'année dernière. Alors, il me semble me rappeler d'un truc comme ça parce que justement, le spectacle n'était pas adapté au public encore parisien. Et du coup, je crois que c'est vrai. Je suis professionnel quand même. T'avais dit tout à l'heure, tu l'as dit. Ouais, tout à l'heure, il a dit, ouais. Québécois, je pense. Il a présenté. Bonne réponse, s'il vous plaît. Ouais. C'est d'accord, Stéphane. Ouais, ouais. Allez. C'est vrai. Le premier, moi, c'était. T'as fait ce que tu faisais normalement au Québec? Ouais, non, même pas. J'ai fait des erreurs d'amateur. C'est ça que j'ai fait. J'avais mal. Tu sais, l'anecdote où j'insulte les Français, je dis que vous êtes chiants et tout. J'ai commencé avec ça. Non, c'est peut-être un peu. Pas de bonjour. C'est un peu brusque. C'est un peu brusque, exactement. Et après, voilà, j'avais pas adapté tous les blagues. Donc, non, c'était pas. T'avais bu avant ou pas? Non. Je suis pas un alcoolique, soit dit en passant. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.